Bonjour, bon week-end selon où vous êtes. Bon, Aline de Bomono, je suis en direct. Connectez-vous, j'ai quelques informations à vous donner. C'est le week-end, je vais très bien comme mes couleurs. J'espère que vous portez très bien comme moi. J'ai une nouvelle chanson que j'ai créée là, je voudrais vous la faire écouter, c'est très important. Jean-Paul de la Suisse qui a douté que Rabbi est venu chez moi. Mets la main au feu, mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu, mets la main au feu, mets la main au feu. Aline de Pomono, yeah. Tu as douté, tu as nié que Rabbi est venu chez moi. Et Jean-Paul a dit qu'elle va mettre la main au feu. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu, mets la main au feu. Mets la main au feu, mets la main au feu à Jean-Paul, mets la main au feu. Comme tu n'es pas belle, tu ne sais pas que moi je plais aux hommes. Mets la main au feu à Jean-Paul, mets la main au feu, mets la main au feu à Jean-Paul, mets la main au feu. Tu as douté, tu as nié que Rabbi est venu chez moi, alors qu'il est venu effectivement dans cette maison. Mets la main au feu à Jean-Paul, mets la main au feu, mets la main au feu à Jean-Paul, mets la main au feu. Aline de Bomono, c'est moi, yeah. Aline de Bomono, c'est moi, yeah. Mets la main au feu à Jean-Paul, mets la main au feu, mets la main au feu à Jean-Paul, mets la main au feu. Viens mettre la main au feu à Jean-Paul, mets la main au feu. Tu as douté, tu as nié que petit pays me connaît. Tu as nié, tu as douté, tu as dit que tu vas mettre la main au feu. Mets la main au feu à Jean-Paul, mets la main au feu. Mets la main au feu à Jean-Paul, mets la main au feu. Mets la main au feu, mets la main au feu, mets la main au feu à Jean-Paul, mets la main au feu. Tu aimes te mêler des histoires que tu ne connais pas. Tu ne peux pas intervenir dans l'histoire d'un homme et une femme. Mets la main au feu à Jean-Paul, mets la main au feu. Aline de Bomono, yeah. Mets la main au feu, mets la main au feu à Jean-Paul, mets la main au feu. Viens mettre la main au feu à Jean-Paul, mets la main au feu. Non, c'est la nouvelle chanson. Avant que je n'entre en studio, apprenez déjà la chanson, là, c'est très important. Parce que une vie de sabotage. Oui, bon week-end, bon week-end. Bon week-end. Je vous aime beaucoup. Parce que nous toutes, on se cherche dans cette vie. Tu ne peux pas décider que tu rates ta vie parce que tu vas te mêler de la vie des autres. Donc, elle, Jean-Paul de la Suisse, la femme est homme, femme là. Elle a dit que elle met sa main au feu. Que Rabbi est venu chez moi. Et Rabbi était ici là. Ici là. Ade betano de betade ici. Qu'elle mette alors la main au feu, on voit. Il ne s'agit pas seulement de venir saboter les gens. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Tu as douté, tu as nié que Rabbi me connaît. Alors qu'il est venu dans cette maison, mets alors la main au feu. La main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Viens, mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Occupe-toi de ta petite vie qui sent mauvais. Arrête de te mêler des histoires qui ne te regardent pas. Parce que tu ne connais pas l'affaire des hommes. L'affaire des hommes et des femmes. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Viens, mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Occupe-toi de ta petite vie. Tu as dit que j'habite une chambre. Pourquoi il y a le vaisselier? Tu ne peux pas mettre ça dans la chambre. C'est toujours dans le salon. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Tu ne peux rien faire dans ma vie. Je vais toujours rayonner. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Occupe-toi de ta main, de tes fesses qui sentent mauvais. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Mets la main. La main au feu à Jean-Paul. La terre est sale. Si il n'y avait pas, on compte aussi ou il n'y avait pas. On compte aussi ou il n'y avait pas. C'est-à-dire que la chose, ce machin, venir dire qu'elle va venir parler mes affaires.
Tu as parlé les autres fois le tourcien. Dans l'eau et Koubous. Minayou. Je suis au pays, je t'attends. Beaucoup de gens m'attendent, je suis là, non. Vraiment, je ne comprends pas. Quand tu dis que toi, tu vas venir t'asseoir dans la vie d'une autre femme, je monte, je descends, elle est derrière moi. C'est mon ombre. Elle est de ma famille. Donc, je suis venue en bain pour rater ma vie. Que je suis venue l'accompagner sur terre, c'est elle qui doit lécher les femmes. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Tu as dit que tu ne peux pas croire, ce n'est pas possible, c'est impossible. Alors que Rabi est arrivé dans cette maison, mets la main au feu, Samina. Mets la main au feu. Mets la main au feu, Samina. Mets la main au feu. Elle a dit qu'elle va mettre la main au feu, qu'elle mette la main au feu. On va être témoin. Pas d'injure, il n'y a pas d'injure. Ne t'inquiète pas. Je suis en train de chanter. Comment moi je suis inspirée? Et c'est l'imbaye, je suis inspirée, tu me parles des injures. Je peux injurier. J'ai le temps d'injurier. Minayou Amundi. Les gens se croient où? Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Vous voyez ma robe, non? C'est Rabi qui m'a acheté la robe là. Avec le sac. Mets la main au feu. Mets la main au feu. Mets la main au feu, amour. Mets la main au feu. Mets la main au feu. Mets la main au feu. Mets la main au feu, Jean-Paul. Mets la main. Elle sabote la vie des gens. Est-ce que ça donne? Est-ce que Aline de Beaumont est bien habillée? C'est le meilleur. Oh, Dibou qui mène. Hey. Le mauvais cœur, ça ne donne pas. C'est une robe qui est composée. Mais Rabi a du goût, hein. La robe est composée. Et s'il vous plaît, j'ai l'équipe avec les chaussures. Hein. Vous-même, regardez. C'est joli, non? Voilà les choix de Rabi. Mets la main au feu. Le sac aussi est griffé. Mets la main au feu. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. C'est elle qui doit bien vivre. Elle boit le champagne sans payer. Elle vole le champagne dans les hôtels. C'est elle qui doit faire tout ce qui est mauvais. Les gens applaudissent. Elle est entrée dans la vie des gens. Est-ce que ça donne? En tant qu'Aline de Pomono, ça donne? La petite soeur de Petit Pays. Vous savez que je suis encore au stade primaire. La petite soeur. L'autre projet arrive, ne vous inquiétez pas. On a le temps. Bibiléon, on a le temps. Pour le moment, c'est la petite soeur de Rabi. Lui aussi, il achète de ses habits à sa petite soeur. Ouais. C'est la première fois que je porte ça. Ça donne. Ça donne. Mets la main au feu. Mets la main au feu. Ça donne, hein? Aline de Beaumono. Ça donne, non? Je ne lis même pas ce que vous écrivez. Est-ce que ça donne? Voilà. Il a du goût, hein? Je n'avais jamais pensé que mon petit frère dans la vie oh, allait partir. Maman, oh, c'est, je l'ai vu. Et je l'ai même caressé, je l'ai même adopté. Il ne voulait pas, oh, oh. C'est sa chanson, non? C'est ça, non? Salam alaikum, malaikum salam. Maman, oh, salam alaikum, oh, malaikum salam. Ah, maman, oh, salam alaikum. Ah, maman, oh, salam alaikum. Salam alaikum. Ouais, je serai même la danseuse. Je ne laisse pas. Le mauvais cœur n'est pas bien. Un ben, ne m'a pas bon. Salam, je mets la chanson là. Salam alaikum. Vous voyez comment je connais les chansons de mon frère. Mon petit frère, hein? Je n'avais jamais pensé que dans la
vie, oh, elle est partie. Maman, oh, c'est, je l'ai même supplié, je l'ai même caressé, je l'ai même adopté. Il ne voulait pas, oh, oh. Salam alaikum, malaikum salam. Maman, oh, salam alaikum, et malaikum salam. La robe, si je vais arriver. Et à maman, oh, salam alaikum. À maman, oh, salam alaikum. Salam alaikum, et. Dan, 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 dan. Ah non! Je voulais vous faire un peu d'animation, non? Je ne vais pas changer. Même si j'ai pris des grades, je ne change pas. Si tu veux avec vous. De temps en temps, so many times, I came to make a small shot. Ok? No problem. Jean-Paul a dit qu'elle va mettre la main au feu. On est samedi qu'elle met la main au feu. Vous ne prenez pas la dot. Et on me dote, vous croyez que je peux aller quelque part, on me dote pas. Je suis très pensif ce jour. Tu m'as arraché le sourire. Ah, tu as pu rigoler, hein? C'est bien. Félix Ngombi, sois béni. Mais là, oui, small time, I'm speaking English. J'étais aux États-Unis, non? Tu ne savais pas que je parle anglais, hein? Je suis formée comme une guitare. Ah bon, hein? Salam alaikum. Vous avez vu que je suis formée comme une guitare? Regardez, alors une femme comme ça, elle est formée comme le poteau. Elle veut parler, c'est ça une femme qui est comme... Salam alaikum, alaikum. Je suis formée comme une guitare, ah bon? Hein? Je ne suis pas obligée d'aller à Genève. Arrêtez, vous me voyez trop dans les spectacles. Je ne suis pas encore allé au Canada. Si le programme au Canada, je parle au Canada. Genève, c'est quoi? Vous parlez de petits pays comme Genève. Je ne suis pas encore allé au Canada. Si il a encore programmé au Canada, je dois aller au Canada. Genève, c'est quoi? Genève, c'est à côté. Voici Genève ici. C'est à Genève qu'il y aura quoi? Vous m'avez déjà vu dans les spectacles déjà. Ne me dites pas que vous me découvrez. Est-ce que je vais dans les spectacles? Est-ce que j'ai l'habitude d'aller dans le spectacle? Je vais aller. S'il est encore programmé aux États-Unis, je dois aller aux États-Unis. That is some question. Le général, c'est quoi? Il y a un deuxième téléphone qui gêne. C'est ma petite soeur. Le bébé, on dit que ton téléphone gêne. Tu as mis le son? Oui. Et pourquoi il y a le son? Comment t'appelais souvent avant? Là. Non, le nom comme la soeur de Lolo. Lolo Bouté, c'était quoi? Je ne sais plus. Faut t'avoir donné un nom. Quand elle fait la vidéo, il y a sa soeur qui parle souvent. Elle a un nom là, c'est quoi? Quoi, le perroquet? Ouais. Je suis en train de parler avec mon perroquet. Parce que, non, vous allez apprendre à respecter. La femme n'est pas comme ça. Hein. Il y a des femmes qui ont des vertus. Je suis une femme vertueuse. Ne me néglige pas parce que tu ne connais pas mon avenir. Ne me néglige pas parce que tu sais pas ce que mes parents ont dit quand je suis née. Que Jean-Paul de la Suisse vient donc mettre la main au feu. Elle a dit que Rabbi n'est pas venu ici. Il est venu ici. C'est pas le haut. Hein. C'est pas le Bakubadjo. C'est pas le langua. C'est pas le langua mbana et qu'elle vienne alors mettre la main au feu. Sa kemina, sa pauvre main. Elle va apprendre à la fermer désormais. Quand elle me voit. Quand elle me voit, elle va la boucler parce qu'elle ne sait pas ce que je suis capable de faire. Maintenant, ça m'a beau, je détonne, je tourne. Elle ne m'attendait pas là, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est elle qui maîtrise les artistes. Dès qu'on prononce le nom de l'artiste, ah, je le connais très bien, ça fait 20 ans. On prononce le nom, depuis le début de sa carrière, je le connais. On prononce tous les artistes camerounais, surtout les Bikutsi et les Douala, elle est dedans. Elle laisse ses oncles. Elle laisse tel André-Marie végéter.
avec Pierre Didi à côté. On va y aller de là. Le père là, il a besoin de soutien. Le père là a besoin de soutien. Le père là a besoin de soutien. Pierre Didi qui a compté. Il a besoin de soutien. Elle ne peut pas le soutenir. Vous venez soutenir les doigts là. Quelle haine. Elle n'aura même plus moyen de tourner. Les pères là souffrent, manquent de soutien. Au lieu d'aller mettre son argent dedans. Le père a besoin de soutien. Le père là, si elle met un peu ses miettes dedans, ça va donner. Le père, Pierre dit, t'écoutes, je t'aime beaucoup, papa. J'aime ta façon de chanter. Ce n'est pas pour te chanter. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le père là. Il végète là. À Paris, ça ne va pas. Elle ne met pas ses miens sur lui. Elle vient trouver un artiste accompli. Elle vient mettre sa large bouche comme la passerelle du bateau. Et quoi qu'on va la laisser passer. Jalouse. Je t'avais envoyé. Mangalomo, vous m'avez dit. Pourquoi elle ne s'occupe pas de Pierre Didi Diakounté? Le père là. Maman, qui se sent. Pourquoi elle ne s'occupe pas de lui? Si le père là, ce matin, il a voit devant sa porte que le père, je suis venu t'accompagner dans tes projets, je sais que ça ne va pas, est-ce que tu vas entrer en studio? Le père là sera content, non? Le père là sera content, non? Voilà. Elle est dans un ménage à trois, elle ne peut pas se mêler de ça. Elle est même dans un ménage à quatre. Parce qu'il y a le père handicapé qui est aussi là. Il demande. Lui au moins, il veut aussi lécher. Le père handicapé, si ça ne donne plus là, il lèche. Donc, elle est dans un ménage à quatre. Elle ne peut pas s'occuper de son ménage à quatre. Elle quitte là-bas pour venir parler des affaires d'un artiste accompli. Dès qu'elle voit que toi, tu chantes déjà tes chansons depuis, elle vient parler. Elle laisse le père Bamileke. Elle laisse le père Didi Tchakounté. Le père, là, je l'avais vu à Paris, ça ne donne pas. Il serait fier de la voir que ma fille vient me soutenir. Elle trouve un chanteur accompli, je le connais depuis 20 ans. Elle commence à gonfler comme le tapioca, je le connais depuis 20 ans. Depuis 20 ans, 30 ans. Moi, je suis arrivé hier. Et il est déjà venu ici. Qui chasse qui ménage à quatre, il y a son mari qui est handicapé. Que la diarrhée coule comme ça, là, il est là. Il veut aussi lécher. Le mari de la femme est là. Lui, il aime les partous. La femme aussi est là. Ça fait quatre personnes, non? Pourquoi elle ne se mêle pas de ça? Ce sont mes affaires. Maintenant, j'étais à l'œil. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Tu as dit que tu entres dans ma vie. Tu as fait deux fois. Il n'y aura pas de troisième fois. J'étais à l'œil. Prends aussi ta retraite, on part à Bomono. Si tu as le niveau, tu appelles les gens de Bomono pour leur dire quoi? Tu es qui? Tu connais qui à Bomono? Tu ne connais pas d'abord les gens de ton village. C'est ceux de Bomono que tu connais. Ah, tu as un dit, au Swan, avec sa tête comme avec la tête comme l'éléphant. Le groin comme l'éléphant. Mais tu m'as dit comment? Tu m'as bien regardé, il te ressemble. C'est quand tu voulais raconter que c'est toi celle qui connais les artistes. Tu ne connais pas Rabi, Nami, Dinoï. Il était ici. Mets la main au feu. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Mets la main au feu. Mets la main au feu. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Tu as dit que Rabi n'est jamais venu ici alors qu'il était bien ici. Comme tu as dit que tu vas mettre la main au feu, mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu.
Fiti Wandwano à Jean-Paul. Fiti Wandwano. Fiti Wandwano à Jean-Paul. Fiti Wandwano. Fiti Wandwano à Jean-Paul. Avant que ça ne donne. Fiti Wandwano à Jean-Paul. C'est par ici qu'elle sera respirée. Mets la main au feu. Elle a dit qu'elle va mettre la main au feu. Elle vous a dit que j'habite une chambre. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? J'habite une chambre. Elle, c'est elle qui loue ma chambre. C'est elle qui loue ma chambre. C'est elle qui loue ma chambre. Est-ce que c'est elle qui loue ma chambre? Même si j'habite une chambre, de quoi elle se mêle? C'est elle qui loue ma chambre. Est-ce que c'est elle qui loue ma chambre? C'est elle qui loue ma chambre. De quoi elle se mêle? Donc on est venu, mais chacune est venue. Elle est venue par la route. Elle est venue par la route pour venir s'occuper de mes affaires. J'habite une chambre. Voici la chambre ici. La haine inutile. Mais vous avez vu comment une femme peut se réveiller et être méchante, machiavélique. Elle est machiavélique. J'étais mariée avec son frère, le mariage est fini. Comme elle voit que je suis debout, ça l'énerve. La femme qui est au téléphone, c'est le perroquet. Tu veux la chasser et tu vas rester avec qui? Je ne suis pas dans un ménage à quatre. Je ne suis pas dans un ménage à quatre. Elle est dans un ménage à quatre. Il y a un qui a la diarrhée. L'autre n'a pas. L'autre a le cornichon. Et deux lesbiennes qui sont dans le lot. Elle ne peut pas parler de ça. Ce sont mes choses qu'elle veut parler. La personne qui t'avait dit que tu peux parler mes choses, elle va encore lui dire que le traitement a raté. Et tu ne vas jamais, no one day que tu vas t'imposer dans la vie de Rabbi. Tu n'es rien. D'abord, il s'en fout de toi. Tu ne vaux rien devant lui. Tu ne vaux rien. Il ne peut pas te dire ses vérités parce que tu n'es rien. Tu lui demandes que est-ce qu'il est venu chez moi. Tu as l'audace, le culot de demander à un dangereux comme ça là que est-ce qu'il est venu chez moi. Il va te répondre que tu es qui. Il te dit au revoir quand il fait ces choses. La honte que tu as eu le jour là, Annie. La honte que tu as eu. La honte. Tu as dit que tu vas mettre ta main au feu. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Que mets la main au feu, Jean-Paul. Mets la main au feu. On est fatigué de ton sabotage. Mets la main au feu. On voit. Ta main va brûler. Mets la main au feu. Tu as dit qu'il ne peut pas venir ici là. Qu'il ne peut pas venir chez moi. Sans savoir que je suis une fille du diable. Est-ce que nous on fait les choses à moitié? Est-ce qu'on fait les choses à moitié dans le diable? Il était alors ici. Mets la main au feu. Tu vas prendre à laver les fesses de l'handicapé qui est ton mari là. Il faut que tu t'occupes. Tu es dispersé. Au lieu de t'occuper de ton mari qui a la diarrhée, tu viens parler mes choses. Et que tu vas m'interdire la Suisse. Je suis en train d'aller en Suisse. Je suis en train d'aller en Suisse, là où tu me vois là. J'ai un peu d'argent, je vais en Suisse dépenser ça. Je vais dépenser un peu d'argent en Suisse. Je ne suis pas obligée d'aller à Genève. Je ne vais pas là où il y a beaucoup de bordel. Je vais aller. Je ne suis pas encore allée au Canada. S'il est programmé au Canada, je vais aller au Canada. Attendez-moi au Canada et aux États-Unis. Claire et Selemba et Nathan du Wao. Osengi, c'est elle qui doit côtoyer les artistes. Le bois bandé, c'est quoi? Est-ce qu'on donne le bois bandé à tout le monde? Vous blaguez, hein? On donne le bois bandé à tout le monde. Les hommes qui boivent le bois bandé, ils ont des problèmes. Et il y a quel problème? Elle se lève. Elle veut entrer dans ma vie par effraction. Tu parles quoi avec elle?
Qu'est-ce que tu traites avec elle? Pourquoi tu prends son traitement là? Tu ne demandes pas de goûter. Elle dit que tais-toi. Salope. Tais-toi. Tu parles les choses des hétéros depuis quand? Il faut que tout le monde soit comme elle, Kikin Kui. Mets la main au feu à Jean-Paul. Si tu es décidé avec moi, moi aussi décidé avec toi. Je vais te montrer ici en Europe. Si je suis agressé, j'ai déjà dit c'est Jean-Paul. Mais si c'est qui m'agresse, c'est toi. Et on ira en justice. Tu vas m'expliquer ce que je te dois. Et tu vas passer par la case de prison. Je vais te prouver, te confirmer que je ne suis pas de ta catégorie. Oh yeah. Je vais en Suisse tous les jours, hein, les gars. J'achète tout que je mange chez moi en Suisse. Exprès. J'allais même oublier. Oh. C'est du hachis parmentier. J'ai mis le piment. Vous avez le temps. Merci, Mera Young. Elle m'a lancé un défi. Je lui ai répondu. Elle a dit que elle met la main au feu. Rabi était ici. Rabi était ici. Quand lui-même il a pris, il a dit que yeah. J'ai dit yeah. Parce qu'elle savait qu'un jour, j'aurais affaire avec elle. Elle ne connaît pas les choses de Dieu. Elle ne connaît pas les choses de Dieu. Moi, j'ai les atouts. J'ai les atouts. J'ai les atouts. J'ai les atouts. Quand, pendant que vous doutez que je ne peux pas faire. Adé, je suis dedans. Qu'est-ce qu'on dit d'abord? Elle-même, elle ne vend pas le piment. Elle vend le piment, elle est directrice de communication de l'Olympia, non? Donc, où est le problème? Elle vend son piment aux femmes. Par exemple, Paul, c'est une vendeuse de piment des femmes. Elle marche avec le pénis artificiel dans le sac pour goder les femmes. Non? Elle a quand même été directrice directrice de communication à l'Olympia alors qu'elle godait les femmes en Suisse. C'est mon piment qu'elle contrôle. C'est mon piment qu'elle veut contrôler. Jean-Paul marche avec le gode et le pénis dans le sac. Qu'elle parle ses affaires. Oui, Aline de Bomono, bonjour. Qu'elle parle ses affaires. Elle va apprendre à s'occuper un peu de son... Elle a même quoi? La cravate aux fesses. Et qu'elle s'occupe un peu de sa cravate qui est dans les fesses là. Elle vend le piment en Suisse. Elle vend le piment aux femmes. Qu'elle parle de son piment qu'elle vend. Moi, je vends le piment aux hommes, c'est mon problème. Je ne vis pas chez elle. Au moins, je vis chez moi. Moi, j'exploite mon appareil, non? Tu as vu, non? Salam aleikoum. Jean-Paul peut mourir, ouais. Salam aleikoum. Laisse-moi la faire du sac. Je mangeais même, je savais que j'ai le sac à l'épaule. Merci de me dire. Je ne savais pas que j'ai le sac à l'épaule. Salam aleikoum. Que j'habite une chambre. Que moi j'habite une chambre. Parce qu'elle ne m'attendait pas. Tellement elle est méchante. Elle conduit une grosse voiture, la voiture d'une femme. Elle habite chez une femme.
Elle croit que c'est à elle seule que ça va arriver. Chouana Lai, Bolingo Nangai. Je parle aussi le Lingala, Bolingo Nangai. Je parle aussi le Lingala, Bolingo Nangai. Je parle aussi le Lingala, Bolingo Nangai. N'importe quoi. Les gens s'amusent avec la terre. Donc moi, je suis là, je ne dois pas vivre. Ta chaîne va bien. C'est Rabi qui m'a offert tout ça. Est-ce qu'il achète les choses au hasard? Il sait que j'aime les couleurs. Et les belles couleurs. Même les chaussures, hein. Vous avez vu, non? C'est assorti aux chaussures. Bolingo Nangai. Encore aussi au Yebeba. N'importe quoi. Koho. Attends, donc elle laisse son couple à quatre pour aller s'occuper des affaires des gens. Et nous, on va faire quoi? Bolingo Nangai. Donc, pendant que moi je dis, elle ne dort pas. Je peux vous donner les cours de massage, hein? Je suis dangereuse dans le massage. Parce que l'homme, la base de l'homme, c'est le massage. Si vous voulez conquérir le corps d'un homme, je peux commencer à vous donner les cours sur Internet. Hein. Pourquoi je vous laisse dans la merde? Je peux commencer à vous donner les cours. La base de l'homme, c'est le massage. Tout homme est sensible au massage. C'est important. Massive. Massive, vous gars. Là-bas, je vais commencer. L'homme Yves, c'est important, hein. Pourquoi tu vas jamais proposer ça? Il faut que je lègue. Je vais vous léguer les astuces. Mon nom chauffe comme le coq, c'est à cause des massages. Mon nom chauffe comme le coq, c'est à cause des massages. Je vais commencer à vous parler. Je dois vous léguer. Hein? La base d'un homme, c'est les massages. Si vous voulez conquérir le cœur d'un homme, non seulement tu dois acheter les cristaux de menthe, et aussi les mains pour masser. Il faut masser les hommes. Les hommes aiment le massage. Même s'il est qui, tu le masses, il va baisser la tension. Je dois vous montrer. Je ne quitte pas ce monde sans vous montrer comment on masse. Il y a les choses. J'ai les trucs. Je connais les trucs. Et il y a les anti-trucs. Je dois vous montrer tous ces trucs. Pour que vous ayez des femmes truquées. C'est important. C'est pas le on qu'on fait sur Internet. J'ai des trucs. Vous-même, vous êtes déjà au courant. Je masse à la gare. Il faut masser les hommes à la gare. Tu lui dis, papa, les choses, toi, à la gare, tu le masses. Je connais. Elle dit, non. Je connais. Ça ne sert à rien de faire 14 ans si tu n'as jamais massé un homme. Une femme va arriver, t'arrache le gars. Il faut masser les hommes. Et il y a une méthode. Je vais lancer. Il faut que je commence à vous donner des cours. J'ai des trucs. Je connais des trucs. J'ai des trucs. Et je peux vous passer ces trucs. Et ces trucs vont vous aider. C'est très important de vous montrer la vraie vie. Ça ne sert à rien de saboter les gens. Si ta soeur connaît des trucs, dis-lui que ma soeur, comment tu fais? Elle connaît des trucs. Je n'ai pas fini en plus. Je connais des trucs. Je peux vous montrer des trucs. 14 ans, tu ne masses pas un homme. Tu n'es rien. J'arrive hier, je suis arrivé hier. Je masse. Je masse. Je masse. Je connais des trucs. Je peux vous montrer des trucs. J'ai envie de vous montrer des trucs. Bomono, c'est le village de référence au Cameroun. Je vais vous parler de Bomono très prochainement. Mais l'idéal, c'est vrai que je vous parle de Bomono. Quand j'y suis déjà, m'en sortirai-je tant?
M'en sortirai-je avec tant de haine? M'en sortirai-je? Mais je vais m'en sortir. Il faut tout masser, mais il faut commencer par les pieds. C'est là la base. Tu masses les pieds d'un homme. Et il y a une façon de masser. Il y a une attitude à avoir. Il y a un comportement. Il y a une façon. Ça ne marche pas. Je dois vous montrer des trucs. J'ai le teint de Bomono. Même le teint, si je peux vous montrer des trucs. Comment je fais pour avoir ce truc, ce teint-là. Regardez bien les photos de Rabi. Regardez comment il était avant et le teint qu'il a aujourd'hui. Vous allez voir une différence. C'est toujours des trucs que je connais. Je lui ai montré des trucs. C'est des astuces, des trucs. Vous me voyez avec le teint de porcelaine, si c'est des trucs. C'est des trucs. Je peux vous montrer des trucs. On doit collaborer. On ne doit pas se détester. Vous êtes dans la haine. Pourquoi? Alors que je connais des trucs. Des trucs qui peuvent vous aider. Vous aussi, un jour, vous faites le buzz sur Internet que vous avez massé Una Capo ya Polizia. Ça peut vous arriver. Una Capo. Comme elle dit, petit pays, c'est une industrie. Je le concède. J'en suis sincèrement honoré de masser les pieds d'une industrie musicale. On va dire ça le jour de mes obsèques. À Lille, on m'avait massé les pieds de petit pays. Elle s'en va se reposer. C'est très important. C'est des trucs. Ça entre dans le CV. Je vais refaire mon CV lundi. La masseuse officielle. Vous croyez que ça arrive à tout le monde? Demi-nature, que mon nom est dans les. Une femme qui gère 4 personnes. Elle lèche, elle suce, elle gode. Elle vient parler. Elle est dans les sites porno pour goder les femmes suisses à cause de l'argent. Mais elle a volé aussi 4 bouteilles de champagne. Donc elle n'a pas d'argent en fait. C'est des choses qu'elle doit venir vous raconter. C'est des trucs à raconter pour ne pas s'occuper des trucs des gens. Qu'elle s'occupe d'abord de ces trucs qu'elle n'arrive pas à gérer. Des trucs et des anti-trucs. Sérieusement, à sérieux, je suis une masseuse professionnelle de l'industrie du truc. J'ai massé le roi de l'industrie du truc. C'est des avantages. Je suis dans des avantages de service. Elle veut me saboter. Dans quel bad woman, go follow me par là-bas. Falami palaba. Dans Boutinga. Falami palaba. C'est normal. Est-ce que nous sommes encore dans la normalité? De la normalité. Moi, je connais des trucs. Je vais vous léguer des trucs. Elle va bloquer des trucs. Ça veut dire quoi dans ces trucs? Pourquoi? Mais Belize, je lui dois quoi? Si elle veut connaître comment on masse, je lui montre. Pourquoi vous aimez parler de futur époux? Je vous parle des trucs importants. Vous voulez parler de mariage. Je ne parle pas à Bomono pour me marier. Laissez mon nom et Selimbaye. Je m'en vais aider mon frère à prospérer. Je suis dans la prospérité. Je ne suis pas dans des trucs. Laissez mon nom dans des trucs. Oh, je vous signale la présence de ma petite soeur. Un casse la chicotte. La reine de... Elle a souvent un nom que... La reine de quelque chose. Bonne arrivée, ma petite soeur, ça va? Je suis en train de parler des trucs, comme tu n'étais pas là. C'est-à-dire, j'ai des trucs et des trucs à montrer. Je ne sais pas si tu connais Massé, ma petite soeur. Mais belle maman, ma voix, oui. Je connais Massé. C'est-à-dire, quand je masse un homme, ça réveille les trucs. Et ça fait avancer des trucs. Et ça arrange des trucs. Et ça fait en sorte que des trucs soient toujours des trucs. Et des trucs de qualité dans la, des trucs. C'est très important dans des trucs. Elle est jalouse de moi que... Est-ce qu'on est bâti de la même façon? Hein? Est-ce qu'on est bâti de la même façon? Est-ce qu'on a les mêmes... Mon fils Waris, Waris Blanchard, je t'aime mon fils. Je suis en train de vous parler des trucs. Waris, tu ne savais pas que ta mère, je suis douée. Mes mains là, c'est des trucs. Quand je masse un homme, ça réveille des trucs. Et ça fait que des trucs s'installent dans des trucs. Et ça des trucs et des trucs et des trucs. Les mains là, je peux vous montrer.
C'est des trucs que vous devez savoir pour vivre en couple avec des hommes, pour réveiller les sens des hommes dans des trucs, que des trucs peuvent dégager dans des trucs. C'est très important dans des trucs, d'avoir des trucs et de parler des trucs. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille aujourd'hui. Ça fait des années que je marche devant vous. J'ai marché nu, j'ai marché habillé, en maillot de bain. Vous me connaissez? You do know me. Je suis votre personne. Je suis dans mes trucs, elle vient se mêler de mes trucs, alors qu'elle a ses trucs. Au lieu de s'occuper de ses trucs, elle laisse ses trucs pour s'occuper de mes trucs. C'est normal. It is normal. Un des trucs. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Tu as douté que Rabi était dans cette maison. Alors qu'il était bien là, tu as dit tu vas mettre ta main au feu. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Mets la main au feu à Jean-Paul. Aline de Bomono. Yeah. Aline de Bomono. Yeah. Mets la main au feu. Mets la main au feu. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Aline de Bomono. Yeah. La masseuse officielle. J'ai des trucs que je connais et des trucs que je transmets. Et je peux vous parler des trucs que vous allez apprendre à connaître dans des trucs et des trucs et des trucs et des trucs. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Elle dit qu'elle passe à la phase menace. Elle ne sait pas que si je vais dans un commissariat, elle sera fichée. Elle croit que je suis née de la dernière pluie. Elle croit qu'elle peut me menacer. Elle croit que quand j'ai un projet, je vais m'arrêter à cause d'elle. Le massage est déjà sorti. Vous êtes déjà au courant que je sais masser, non? Vous êtes au courant, non? Yeah! Aline de Bomono, yeah! Vous êtes déjà au courant que je connais masser. Il y a autre chose que je sais aussi faire. Listening, vous serez au courant. Je ne connais pas seulement masser. Mets la main au feu. Mets la main au feu. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Yeah. Aline de Bomono. Yeah. Mets la main au feu. Mets la main au feu à Jean-Paul. Mets la main au feu. Aline de Bomono. Yeah. Elle est venue me faire la publicité. Je connais masser. Je risque d'avoir des grands clients. Hein. Je connais masser. Je connais Massé. J'ai les trucs dans les anti trucs et des trucs de qualité. Je connais Massé. Je ne connais pas seulement Massé. Je vous avais parlé des grosses lèvres. Les femmes qui ont des grosses lèvres comme moi. Les hommes aiment nous embrasser. Ils emballent ça comme le jambon. Ils commencent à mâcher. Donc là où vous me voyez là. Je connais aussi faire d'autres choses. Donc, je suis une professionnelle du massage. Je vais vous montrer des trucs. Il faut que je vous montre des trucs. Parce qu'on doit s'entraider. On doit... Vous avez validé, non? Yeah! Les doigts là valident ma présence à Bomono. Et Selembaé. Vous connaissez ma valeur. Vous connaissez ma valeur. Une femme charnue comme moi. Une femme naturelle. Je suis une fierté à Bomono. Quand j'attache le foulard, ou bien quand je dis que je porte le kabangondo, hein, je vais souvent faire mon spectacle là devant ma porte. Et vous venez payer. Je rends ça le comédien à Bomono. Hein? Me saboter que je ne peux pas. Tu connais les choses que les hommes aiment. Tu connais les... J'ai rempli beaucoup de vertus. Non seulement je suis une belle femme noire. Garde ma vidéo porno. Tu vas souvent te branler avec pour coucher avec ta femme. Tu sais que tu es en panne, non? Que tu n'es pas puissant. Tu n'es pas viril. Il faut démarrer la voiture avec les vidéos. Je suis d'accord. Garde la vidéo moribond. Garde. Garde. Garde la vidéo. Je vais vous donner des trucs. Nous allons programmer comment nous allons commencer à prendre les cours de massage. C'est très important. Les hommes aiment le massage. Les hommes aiment. C'est très important.
Si tu as ton mari que tu ne masses pas, c'est un problème. Si tu as ton mari, tu ne le masses pas, c'est un problème. Mais si tu as déjà fait 14 ans au Calga, la 14e année, elle peut arriver de nulle part. Elle vient te ravir la vedette. Ou le Zam Sigen, tu seras surprise par un truc qui va t'arriver que, oh, c'est moi comme ça là. Il faut masser les hommes. J'ai déjà deux champs. J'ai un champ d'arachide avec le maïs et les patates. On m'a déjà défriché le champ. Et je vais aussi faire le champ de bananier. Je vais au Cameroun en février pour commencer les champs. Ne vous inquiétez pas pour ça. 3 hectares de terrain. Au Boussiné. Hey, Nathan Iwao. Au Sengi. Wadjimbe Amba. Hey. Personne n'a sa place assurée et on ne pleure pas. On ne pleure pas. Tu as déjà fait 14 ans. Hein? Si tu ne masses pas ton mari, c'est un problème. Il faut masser ton mari. Commence par les pieds. Les femmes aiment le massage. Il faut commencer par les pieds. Ouais, Aline, au Moulema, Nandolo Nyesse. Hé, hé, Nathan dit waouh. On ne pleure pas. On fait l'amour, on ne pleure pas. Donc les gens veulent négliger la vie des gens. Okay. La fille Sawa. Je vous avais toujours dit non. Que je suis la fille Sawa de 100 000. Je vous avais toujours dit non. Parce que moi, c'est ça qui avait fini à Douala. On ne pleure pas. On masse, on ne pleure pas. Interdiction de pleurer. On masse seulement. Massons les gars. Il faut masser. Mazouler, Mazouler, Mastonga, Mastonga, Aline de Bomono, Mastonga, Mazouler, Mazouler, Mayouler, Mazouler, Mastonga, Aline de Bomono, Mastonga. C'est le lait. Attendez, pardon. A Robert Ambolo, en poste. Mon envoi, mon gars, non, mon souvent du haut. Ah. Mmh. Ah. Ah. D'accord. Allez, comment on va me lancer là, là, petit pays, manga que l'été n'y a gars, m'a qu'on a bon. Donc il faut que quatre conducteurs. Maintenant, je suis là, je suis là, donc, mon gars, vous l'aimez, n'a pas beaucoup de tête de train, mais que quatre chauffeurs n'ont pas mis en ligne. Mais peut-être que somme zé en yon, n'a pas d'un yon ciné. Maintenant, eh, moi, t'y en gaba oula, moi, bon, mais il n'a pas besoin d'un motard, bon, y'a bimé ça été. C'est ce que je racontais en fait. On dit pas du à feu. On dit pas du à feu. Voilà. Ok, ma volo. Voilà ma zoukouille. Mais ça va 15 heures. Bien, bon, j'amène un son. Là, on a un appel normal, non? Et on a un son, on a un appel normal, là, bibo. J'amène un bébé, bibo. Ok. À tout à l'heure, hein. Bisous. Ok.
Ouais, la haine. Mais il faut l'appeler si tu as son numéro de téléphone, non. Vous avez trop le tchat, vous m'issez dehors. Appelle-le si tu as son numéro, il va te donner sa version. Vous aimez entendre. Mais ça, vous dites que vous avez le numéro. Appelle-le si tu as le numéro pour qu'il te réponde. Tu as compris? Tu as compris, non? Appelle-le. Pour qu'il te donne ta version, comme tu as son numéro. Merci Sandrine. Bonne... Ma petite soeur est la Sandrine, c'est mon père. Comme tu as son numéro, il faut l'appeler, non? Tu le demandes. Les boules aussi ont adopté Rabi. Vous croyez que quoi? J'ai une famille. Hein? Quand une femme naît, à un moment, il faut qu'elle quitte sa famille. C'est pour ça que je pars à Douala. J'ai une famille. Et la chose, elle vient dire que oui, les petits. Est-ce que avant d'être petit, je suis boulou? Avant d'être petit, je suis boulou. Les boulous n'ont pas de problème. Les boulous n'ont pas de problème. Les boulous aussi l'ont adopté. Les boules aussi. Parce qu'on est là pour s'entraider, pour s'apprécier. Ne parle pas des minables. J'ai tellement évolué. Ne parle pas des anciens maris et des anciens chanteurs qui ne chantaient rien du tout. Je suis maintenant avec les légendes. Mazoulere, mazoulere, zamouadang, mazoulero, mbolawaye, mazoulere, mastonga, mastonga, mastonga. La haine. La haine. Non, non, sincèrement, hein, au sérieux, on va faire les coups de massage. Je ne peux pas avoir des dons comme ça, là, je ne transmets pas. Je ne suis pas... Ndolo Nyesse, je vous aime aussi. Les gens ne peuvent pas me détester. Je ressemble à une fille Douala. J'ai le visage d'une fille Douala. Parce que le Nyanga que ce bébé soit développé à Douala avec mes 29 valises. Ah, avec mes 29 valises, Ndolo Nyesse. Ojibou qui mène. Qui va me voir à Douala quand je suis en train de sillonner à Aqua Palace? Que je suis allé siroter mon jus. Aïe! Je suis à Douala, je suis une fille. C'est-à-dire, je suis d'abord née que je suis même de Douala, avant d'être de Douala, dans des trucs et des trucs et des trucs. Aïe! Je suis une fille Douala. Omulema! Natonjiwa, Omulema! Une fille Douala de Sangmina. Je dis ça depuis des siècles, non? Je suis Aline de Petit Pays, Aline de Bomono. Mes t-shirts arrivent. Ne soyez pas pressés. Je vais seulement arriver. Le tout, si je n'arrive pas au Cameroun, je ne dis pas. Je vais dire à quelle heure j'arrive à l'aéroport international de Douala. Une semaine avant, je vous dis. Vous commencez à tempêter. Vous commencez à amener les mendiants. Parce que je vais danser les mendiants à Douala. Je vais danser à Douala. Quand je vais arriver à l'aéroport, j'aurai mes enfants de Douala qui sont venus m'accueillir. Vous allez confirmer l'accueil. Parce que vous croyez qu'on est encore en train de... Vous croyez qu'on est encore en train de blaguer? On n'est plus dans la blague. Tu vas acheter le t-shirt? Ne vous inquiétez pas. Il y aura les t-shirts Rabi de Bomono, Petit Pays de Bomono, Petit Pays de Sans Visa. Il y aura les t-shirts en vente. Quand vous venez visiter Bomono, vous achetez ça. Aline de Bomono sera aussi là. Je serai dans les lots de t-shirts qu'on vend. Si vous aimez Aline, vous achetez les t-shirts de Aline de Bomono, Aline de Petit Pays. Ce sera ça et pas autrement. Je m'en vais faire le comex. Je suis à Douala pour faire le comex. Et il y aura les épices de Bomono. Le poivre de Bomono. Il y aura le Ndiansan de Bomono. Parce que le Ndiansan de Bomono n'est pas comme tout le Ndiansan. Je descends avec les appareils pour aller faire des trucs et des trucs. Il y aura le Ndiansan de Bomono. Il y aura le Ndor de Bomono. Il y aura le Wondo de Bomono. Il y aura la pâte d'arachide de Bomono. Parce qu'elle ne sera pas écrasée comme toutes les pâtes là. Les croquettes de Bomono. Les caramels de Bomono. Il y aura tout. Les savons.
savon de Bomono. On va fabriquer les savons à Bomono. Vous allez acheter. Et vous allez vous laver. Vous allez avoir le teint si. Le teint laiteux. Il y a les filles qui veulent les poils. Des femmes qui n'ont jamais eu des poils à Bomono. Vous allez avoir ça avec les savons que vous fabriquez. Les huiles de Bomono. Le lait de Bomono. Si vous voulez avoir le teint laiteux si. 54 ans. Je suis comme si j'ai 30 ans. Lolo Fodia m'a déjà vu à l'œil nu. Quand tu me vois à l'œil nu, je suis comme du caviar. Je suis à croquer à l'œil nu. À croquer à l'œil nu. Apprenant à masser vos gars étant nu. Hein. Quand tu masses un homme, ne t'habille pas. On ne s'habille pas. On ne s'habille pas quand tu masses le gars. Quand tu masses ton gars, il faut être nu. Lui-même, il confirme les atouts. Ne vous habillez pas quand tu masses le gars. Soyez nu. On ne s'habille pas. On ne s'habille pas. Quand tu masses un homme nu, ça donne. On ne s'habille pas. La pub de Bomono, j'ai déjà commencé. Les gens qui vont tricher pour aller faire ça à Bomono avant moi, dès que j'arrive, on arrête tout ça. C'est moi qui donne les idées. Il y aura les caramels de Bomono. Il y aura les biscuits de Bomono. Il y aura les savons de Bomono. Les huiles de Bomono. Tu te laves avec ça, tu ne meurs pas. On ne pleure pas. Quand tu utilises les huiles de Bomono, tu ne pleures pas. Quand tu utilises les huiles de Bomono, les hommes te draguent. Venez chercher la chance à Bomono. Je suis là-bas, je vous attends. Je perds le temps ici en Bengue. Go, je suis venu à la frontière pour faire quoi? Je n'ai pas le droit de me déplacer comme je veux. C'est elle qui paye mon loyer. Je suis une femme juteuse. Si tu veux être juteuse, achète les huiles de Bomono. C'est ça. On doit s'entraider. Je veux des partenaires. Si tu veux être aussi dans l'équipe de partenariat, il faut m'écrire. On descend à Bomono faire de belles affaires. Notre frère doit rayonner. On moule manatonge waouh. Moi aussi. Merci. Février, je suis à Bomono. Je serai à Bomono en février. Les gens qui m'attendent. Na février date a dit ça cassé pour Bomono. Je serai à Bomono. Mais écris-moi alors, ma belle-sœur, je suis là. Que les filles doivent de la Suisse, commencez déjà à m'inviter. Je suis votre belle-sœur, vous croyez que quoi? Même si c'est votre soeur, je suis dedans. Vous m'appelez même derrière l'affaire des belles soeurs. Je suis encore au niveau stade primaire. La belle soeur. De... Je suis la soeur. DRH Urange. C'est moi qui vais nommer. Oui, c'est moi la DRH. Elles veulent me gâter. Bomono sera mondialement connu. Et c'est à vous de voir. Moi, j'ai déjà donné ma motivation. Je vous ai déjà présenté mon CV. Avec ce que je vais faire à Bomono. Si vous voulez, je fais. Sinon, je ne vais pas faire ça dans mon... Interdit de pleurer, oui. C'est ça. J'ai déjà donné ma feuille de route. J'ai déjà donné ma feuille de route pour Bomono. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que je pars à Bomono pour jouer? Je vous ai dit ce que je vais aller faire. Quand je quitte l'aéroport, direct Bomono. Direct Bomono. Bien que tu vas ne t'attends à ma vie, t'es le beau. Samba, samba, bien, 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 samba. Bien que tu vas ne t'attends à ma vie, t'es le beau. Samba, samba, bien. Il y aura les boulous qui vont venir chanter à Bomono. Parce que je suis boulou. Mes sœurs vont souvent venir me chanter les louanges. Et Wolo Minga du Cameroun. Toute la journée, elles chantent. Et Rabi doit leur donner à manger. Très important. Quand les filles boulou viennent animer à Bomono, Rabi va sortir pour venir féliciter les filles boulou. On va souvent aller animer Bomono. Alors c'est à vous de voir. J'ai déjà donné ma feuille de route. J'ai donné ma feuille de route. Je ne pars pas à Bomono pour jouer ou bien pour chercher les hommes. I know the get time. I know the get time. Et cette chose, avec les fesses qui coulent, elle vient parler mes affaires. Elle croyait qu'elle allait passer. Que, est-ce que tu étais chez Aline Zomo? Ah bon? Ah bon, hein? Vous voyez la haine? Une femme ne cherche pas sa vie.
Elle a déjà raté sa vie pour aller demander si quelqu'un... Monsieur, c'est ma pilote. Allô. Allô, ça va, Chou? Tu m'appelais, je faisais quoi? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je ne te vois pas. Attends. Ben, j'attends. Oh, t'es tout beau. Oh là, ça va? Oh, t'es toute belle. Ça va? Ça va. T'es déjà allé faire tes courses? Hein? Tu es déjà allé faire tes courses? Ce matin, oui. Qu'est-ce que tu manges ce midi? Du riz. Du riz avec quoi? Avec du poulet. Avec du poulet. Mmh. C'est bon ça. Avec quoi comme... Tu veux venir? Oui, je veux venir. Ouais, viens tout de suite parce que c'est prêt. Hein. Que je vienne tout de suite parce que c'est prêt. Et hier, tu étais à Porrentruy? Oui, j'étais à Porrentruy hier. Comment tu as su? Ben je sais tout. T'es déjà un médium. Un gourou. Gourou. Et après, quand tu as fini de manger, tu fais quoi? Ben, je viens alors. Cet après-midi, je ne peux pas parce que je pars avec mon fils. Tu vas faire quoi? Du foot? Faire les... Des trucs de gars, vous allez faire des trucs de mec. Comment? Vous allez faire des trucs de mec. Entre mecs, parler entre mecs. Se balader entre mecs. Exact. Il voulait te faire un coucou parce que j'ai vu que tu m'as appelé. On se reparle après alors. Ben, on peut savoir. Ce soir, je vais faire les 5 ou 6 heures, je peux t'appeler. Ok, il n'y a pas de souci. J'attends ton appel. À la maison? Oui, je suis à la maison, là. Tu reconnais pas cette maison? Bon. Tablier, il est rouge, là. Ok, je suis à la maison. Je te fais des gros bisous. Bisous, bisous. Bye, bye. Ciao. D'accord. Ok. Hein? Laissez les gens. Les hommes draguent, hein. C'est des Suisses. Donc, si je ne suis même pas bon, moi, je continue ma vie en bain. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Vous savez que je chôme. En ordre de chômer, oh, je ne chôme pas. Je ne chôme pas. Maman, je ne chôme pas. Je ne chôme point. Je suis encore la sœur. Donc, on n'a encore rien dit. Donc, laissez-moi vivre ma vie. Je gère les dossiers. Je gère. Des anti-trucs. Lui ne peut jamais se fâcher. Même s'il parle au téléphone. Il sait que moi, je suis une ambianceuse de la capitale. Ça lui fait rire lui-même. Non, il n'y a pas de souci à ce niveau. Vous savez qu'on est entre nous, les stars. On se gère des trucs. Je ne fais aucun foyer mouf. Foyer à trois avec qui? Ouais, je vais vous laisser. Mais est-ce que je vous ai dit que j'ai changé de nom? Est-ce que moi, je n'ai pas encore changé de nom avec vous? Vous, dès que vous avez déjà un nom en tête, est-ce que je n'ai pas encore venu vous dire que je suis déjà avec Dagobert? Vous n'allez pas accepter. Les Camerounais, vous êtes dangereux. Quand vous avez déjà seulement le nom de Bomono sur la télé, il va encore venir vous dire que je suis déjà encore à l'île de... Vous allez dire que vous ne voulez pas. On se connaît, non? On a dit no you, non? On se connaît. Voilà, je sais que vous n'allez plus jamais accepter un autre nom. Je dois seulement aller à Bomono. Je dois seulement aller finir mes jours là-bas. Dans les gens qui sont en train de s'embrouiller. Les gens qui s'embrouillent. Salam alaikum.
Ding, 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 ding. Que je n'ai pas de maison, je dors dans une chambre. Oui. Tant de haine. Il faut me soutenir. J'ai dit que direct Bomono. À Bomono là-bas, les influenceuses vont venir me rendre visite et puis je leur dis de filmer. Elles ne payent même pas l'entrée en plus. Parce que l'entrée sera payante. Hein. Pour entrer à Bomono, vous n'allez pas entrer en Dior. Hein. Au moins 10 000 de nos francs CFA. Quand c'est les pauvres, on baisse le prix. Mais si tu sais que, si je regarde avant, si tu as la jupe en cul, tu payes 10 000. Il n'y a pas de que patati patata. Il y aura les tarifs. Les orphelins payent telle somme. Les orphelines, telle somme. Les veuves, telle somme. Les Wolwos, vous payez les sommes. Voilà. Les gens disent que je deviens déjà très très belle. Mes belles soeurs, je vous dis que hein, je suis déjà une fille douala depuis l'Antiquité. Il paraît que tu auras fait la Saint-Valentin à Bomono. Oui, je passe la Saint-Valentin à Bomono. Comment tu sais? Je passe la Saint-Valentin à Bomono. J'allais oublier ce détail. Hein, parce que je vais arriver à Bomono vers le 6. J'ai oublié la Saint-Valentin. Tu es intelligente. Hein. Je serai vraiment là-bas le 14 février. Je ne pars pas à Noël. Je prends mon temps. Je me la coule douce. Je prends le temps et puis voilà. J'ai le temps de faire des trucs et des trucs et des trucs et des trucs. Il y aura les t-shirts de Bomono. Vous allez vivre ça en direct. Je vais vous faire participer en vivant en direct l'émotion, tout ce qui se passe. Le massage. Je vais commencer à vous faire les cours de massage. Je ne veux pas vous laisser dans la misère. Vous devez connaître les bienfaits du corps humain et ce que ça procure à un homme, les massages. Vous devez le savoir. Ça va vous aider dans vos couples. Venez témoigner, on ne pleure pas, venez témoigner. Venez témoigner des bienfaits que vos maris vont constater. Parce que je vais vous montrer les parties qu'on doit masser. Quand tu masses ton gars, ton mari, tu dois être nu. Je vais vous montrer. Moi, je suis généreuse. C'est pour ça que quand je vais à Bomono, vous savez que vous serez bien reçus. À Bomono, vous serez bien reçus. Je vous attends à Bomono. Vous serez bien reçus. Bel accueil. Il y a quelqu'un qui m'appelle Zomobem. Comment vas-tu? On était à l'école. On a fait les écuries ensemble. L'homme aussi masse. Mais là, il s'agit de la femme qui masse. Ma soeur, ton nom aussi est difficile. Hein? Pipa Mat. Dans ce cas, c'est la femme. Oh, il y a mon fils qui est là, Franck. Mon fils, il a changé de nom. Mais toi, on dit Aline de Bomono. Ton café malon là, tata Aline. Oui. Moi, je crois que j'ai ma place à Bomono. Honnêtement. Vous serez content de venir m'écouter à Bomono. Bomono, Bambenge, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Bomono, Bambenge. Je vais transporter ma joie de vivre à Bomono. Quand vous entrez à Bomono, il y aura les femmes qui vendent les cabas. Vous allez acheter. Vous allez vous mettre sur votre 31. Il y aura les habits. Il y aura les chaussures. Vous allez... Tu entres à Bomono, tu es en tu ressors, tu es bien habillé. Il y aura les habits petit pays de Bomono. Vous avez vu sa manière de s'habiller. On va coudre des habits comme les siens pour que vous soyez habillé comme lui. C'est lui la star. C'est lui le monument. Il y aura tout. Ambola, mon amour, on voit. Tu es devenu de plus en plus beau et je t'aime, mon fils. Oh là. Bonjour, bonjour. Bambenge, Badjedou. Il y a une de mes soeurs là, elle est dangereuse. J'apprends même derrière le doigt là, elle dit ça. On ne pleure pas, Bambenge, Badjadou. Il faut derrière m'apprendre vraiment le doigt là, Bambenge, Badjadou.
Je merci, merci pour les cœurs. Bomono Bambenge, oui, Bomono Bambenge. C'est très important. J'étais mon fils. Bomono Bambenge. Non, je suis une femme qui a des vertus. Et je ne voulais pas vraiment vivre avec ces vertus ici. Il faut que je transmette ça quelque part. Et j'ai choisi Bomono dans un rêve. Et le projet a été accepté par le propriétaire. Donc, laissez-moi m'épanouir. J'ai le droit de l'oboukate, Bomono. Ouais, c'est très important, de l'oboukate. À Bomono, tout le monde a la pierre, la porte ouverte. La porte de Bomono est ouverte pour tout le monde. Les stars, les anonymes, les fans, vous venez à Bomono. Quand tu parles de la nièce, une femme qui a 54 ans. Ouais, Bomono Bambenge. C'est ça. Je ne suis pas encore arrivée là-bas, je vais arriver. Boukatien Dolo. Pipa, toi là tu es dangereuse. Hein. Il faut qu'on s'appelle Pipa. Je vois que tu maîtrises bien le doigt là. Hein. C'est bien. Merci. C'est très important. Vous savez qu'en Beng, il fait froid, il y a le stress et tout ça. Donc moi, je commence à l'avoir marre de vivre là. Je vais rentrer. Je vais rentrer. Je crois que j'ai beaucoup de choses à faire à Bomono. Et ça me fera plaisir que les jeunes apprennent. Les massages, là, moi-même, je suis là, je vous montre. Parce que quand je vous montre ça par écran interposé, c'est pas comme si j'étais surprise. Je dis que aujourd'hui, cette semaine, on fait les cours de massage. Venez vous inscrire. Moi-même, je suis là, je masse. Vous voyez comment on fait. Oui, j'ai éteint le doigt là. Hé, Betty! Je suis comme une fille doigt là, non? Si tu ne me connais pas, on m'a toujours dit que je suis comme une fille doigt là. Betty, je te salue. Betty Likale. Et Betty, c'est ma soeur. Elle vit à Douala. Donc, je n'ai même pas de problème. J'ai déjà les soeurs à Douala là-bas. Je vais souvent aller me balader chez elle. Elle aussi, elle vient chez moi. Eh, Betty, c'est ça, non? Mais quelqu'un parle dans sa bouche. Ah, d'accord. Merci. Ah, ça tombe bien alors, Pipa. Merci, Nathan Diwa. Ah, il faut qu'on s'appelle Pipa. On va souvent parler. Moi aussi, je t'aime beaucoup. J'ai vu que tu t'exprimes aussi bien. Ce serait magnifique que je sois en contact avec toi. J'ai ma soeur qui vient de là. Elle s'appelle Bertie Likale. Je vais souvent aller chez elle. Elle a un grand centre, un institut de beauté. C'est elle qui va souvent me faire les soins. Les soins des mains, tout ça. Ben, tu es là, tu vois le travail, hein. C'est toi qui vas souvent masser Aline de Bomono. Oui, écris-moi sur médecin. Tu n'as pas mon numéro de téléphone. Pipa Marc, tu n'as pas mon numéro de téléphone. Prends mon numéro de téléphone, Pipa. Parce que tu vas m'écrire par machin, là, je ne suis pas sûr. Parce que j'ai la tablette, là. Oui. Je vais vous donner les cours. C'est très important. On n'est pas dans la haine. Il faut arrêter de détester pour rien. Je ne suis pas née pour vivre dans la haine. La vie ne tient qu'à un fil. Je suis en train de faire des photos. J'ai la bière. Mais je n'ai pas le sirop. Je n'aime pas boire la bière sans sirop. Oui, j'ai des énergies positives. Vous avez entendu, parce que quelqu'un peut demander qui va faire quoi à Bomono. Mais c'est vraiment un beau projet où je vais valoriser Bomono. Déjà, j'ai commencé à le faire. Quand vous entendez le speak et le projet,
C'est un projet de qualité. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Quand c'est le week-end, prenez la peine de vous reposer, vous vous relaxez. Massez votre mari, lui aussi vous masse, c'est très important. Faites-le chez vous, ça fait du bien. Je suis sur TikTok. Je donne des conseils même sur TikTok. Massez votre mari, lui aussi vous masse, c'est très important. Faites-le chez vous. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Quand c'est le week-end, prenez la peine de vous reposer, vous vous relaxez. Massez votre mari, lui aussi vous masse, c'est très important. Faites-le chez vous. Bonjour, comment allez-vous? Je vais Je vais adorer. Moi, j'aime déjà Douala depuis. Hein. Angela qui t'a popular. J'aime bonjour, monsieur. Bonjour. J'aime Douala depuis. Hein. J'allais souvent à Douala tous les jeudis parce que j'avais un ami qui était inspecteur des finances et il allait souvent faire des audits à Douala. Donc, je monétise derrière ma page. Hein. Je vais la monétiser. Alors, je vous dis que depuis très jeune, quand je dis très jeune, dans mes 18 ans, 19 ans, j'avais un ami qui était inspecteur des finances. Et je l'accompagnais toujours à Douala. Faire l'audit. Et j'arrivais à Douala. On restait. Il travaillait jeudi, vendredi. Quand j'ai arrêté l'école. Hein, quand j'ai arrêté l'école. Je l'accompagnais jeudi, vendredi, samedi. On rentrait dimanche. Et même comme on était passé. On avait passé 3 jours. J'avais toujours des regrets quand je rentre. Je dis, hé, Douala. J'ai envie de vivre à Douala. Je veux... Douala m'a toujours fasciné. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, Yaoundé aussi bien. Hein? Mais Douala dans ma tête. Comment ça, le buzz? On vous parle des vraies choses. Le buzz de quoi? Tu n'as pas remarqué que quand je vais au Cameroun, si tu vas à Yaoundé. Comme si on m'a bloqué à Yaoundé. Ça fait des années que je fais ça. Je vais au Cameroun, je passe un mois, je suis toujours à Yaoundé, comme si je suis bloqué. Alors que j'ai des gens à Douala qui veulent me voir. Maintenant que j'ai l'occasion d'aller voir mes gens de Douala, mes gens de Douala là, je vous aime. Je vous ai dit quand on prend un certain âge, mettez-vous en valeur, portez des couleurs pour rehausser votre physique. Votre allure, c'est très important. Une petite fente, ça ne fait pas de mal aussi. Très important. Je vous ai dit qu'on prend un certain âge. Mettez-vous en valeur. Portez des couleurs pour rehausser votre physique. Votre allure, c'est très important. Une petite fente, ça ne fait pas de mal aussi. Très important. Je vous ai dit qu'on prend un certain âge. Moi, avec l'angoisse, je vais arriver. Je vais arriver. Tapote sur l'écran. Tu viens d'arriver, tapote sur l'écran pendant 2 minutes pour t'enregistrer dans le... Oui. Donc, les gens peuvent déjà m'envoyer des cœurs. Envoyer alors des cœurs, non? Oui, c'est très important. Maintenant que vous savez que j'ai un gros projet, je vais aller à Bomono. Envoyez les cœurs. L'argent, là, sera utile pour faire des projets à Bomono. Envoyez-moi des cœurs. Ça fait des années que je fais ce beau métier. Vous ne participez pas à rehausser mon travail. Mais maintenant que j'ai des projets à Bomono, tout ça, ça va vous faire du bien. Vous mangez les caramels de Bomono. Vous mangez les croquettes de Bomono. Hein? Tout ça, c'est important. Envoyez-moi des étoiles. Nathan Duwa. Nathan Duwa aussi. Nassomwa Dita. Oui, c'est vrai. Oui. Tu sais que ces mauvaises filles voulaient me donner une étiquette qui n'est pas la mienne. Elles ont passé le temps à dire que je suis méchante. Elles ne me connaissent pas. On n'a pas vécu les mêmes vies.
Même quand j'étais jeune, je n'approchais pas tout le monde. J'ai grandi vraiment, comme on dit, les enfants des barrières. On ne côtoie pas les gens. Même quand on habitait un quartier où il n'y a pas de barrière, mais on était toujours chez nous. Hein? Donc, venez dire que je suis méchante. Elles me connaissent où? Parce que je n'accepte pas que les gens m'approchent. Même les soirées, je ne parle pas dans les soirées. Je n'aime pas aller dans les soirées. Je ne vois pas l'intérêt. Aller me frotter aux gens. Je ne vois pas l'intérêt. Moi, je ne suis pas une femme de soirée, moi. Barabakoto. Je ne vais pas dans les soirées. J'aime rester chez moi. J'aime rester avec ma famille. Donc, les soirées, c'est vraiment pas mon truc. Ça m'intéresse pas, ça ne me dit rien du tout. Je suis une femme de maison. Je suis à la maison, je m'occupe. J'ai même mon intelligence pour valoriser le chez moi. Vous avez vu le décor de chez moi, c'est très joli. C'est très joli chez moi. Chez moi, c'est très joli. J'adore les couleurs. C'est très joli chez moi. Et tout ça, c'est l'intelligence. Quand je vais faire les courses, j'achète que des choses qui me plaisent parce que j'aime vivre dans un décor qui me plaît, je suis à l'aise. Et ça, je ne vais pas arrêter de le faire. Même quand je vais aller au Cameroun, je vais continuer à vivre une vie qui me plaît. C'est là où je m'inspire. Pas autre chose. Donc, envoyez les étoiles désormais. On va commencer les cours de massage. Oui, j'adore les couleurs. C'est pour ça que j'ai tenu à rester noir. Parce que je savais que les couleurs vont illuminer mon teint. Les couleurs vont illuminer mon teint. Je réfléchis quand je fais quelque chose. J'essaie un peu de transposer ça. Je dis, bon, quand je fais comme ça, je fais comme ça. Est-ce que ça donne? On adore les couleurs. Je dis qu'on est pareil. On est pareil. C'est mon frère. Et ça énerve jusqu'à faire les ultimatums. Dans les ultimatums à qui? Je vais vous laisser. On a déjà beaucoup parlé, non? Je dois sortir. Il faut que j'aille acheter les fruits. Je suis belle comme le sucre dans le tapioca. Qui a alors fini avec la beauté? Je suis belle comme le sucre dans le tapioca. Abourbem. Je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Restez dans la paix. Hein. Je vous adore. On est ensemble. Quand je reviens le soir, je vais faire un... Je dois aller déjeuner avec un ami là. Vous avez vu comment il m'a invité? Il me dit qu'il m'attend déjà. Il m'attend déjà. Bisous, ciao. À ce soir. Je serai en direct ce soir quand je reviens. Merci. Ça va, Rishkisha? Chishomu. Jikato. Ok, il y a une japonaise dans mes contacts. Dion, rien. J'ai une japonaise dans mes contacts. Rishika Tijomu Jikato. Ciao.